Londres, sinon rien. Il y a 2 ans, quand ce Français a créé sa plateforme en ligne d'investissement dans l'immobilier, il n'imaginait pas s'installer ailleurs que dans la capitale britannique. Après le vote en faveur du Brexit, Emmanuel Luminot a décidé d'étendre ses activités à d'autres pays. Ce jour-là, son équipe est en vidéoconférence avec un nouvel employé à Berlin. Malheureusement, le climat à Londres est très incertain et on avait besoin d'un endroit où on pourrait continuer notre activité en nous adaptant. On a ouvert un bureau à Berlin et on a arrêté d'embaucher à Londres. On a choisi Berlin dans les 3 semaines qui ont suivi le Brexit. Londres ne serait donc plus l'endroit où il faut être. La croissance dynamique des secteurs du numérique et de la technologie est l'une des success stories britanniques de la dernière décennie. Londres s'affiche même comme la Silicon Valley européenne. C'est ici que bat le cœur de l'industrie technologique florissante, dans ce quartier de l'Est londonien qui se fait appeler le Silicon Roundabout. Mais le Brexit a porté un coup au secteur et les villes concurrentes de Londres veulent en profiter. Elles espèrent que le Brexit aboutira à un Texit. Les entreprises de ce secteur quitteront-elles Londres pour ses hubs concurrents comme Dublin, Paris ou Lisbonne? En tout cas, Berlin, la rivale la plus performante de Londres, a déjà pris une longueur d'avance. Dans la foulée du référendum, l'équipe de Seland a approché les start-up et les grandes sociétés britanniques du secteur. L'élu en charge de l'économie affirme avoir eu des discussions approfondies avec une 60aine d'entre elles. L'incertitude a toujours été l'ennemi de l'investissement. Je suis certaine que de nombreuses sociétés décideront de conserver leurs racines londoniennes, mais qu'elles ouvriront dans le même temps des bureaux sur le continent européen, ce qui n'aurait pas été possible sans le Brexit. Emmanuel Luminot dit s'être tourné vers Berlin par crainte de ne plus pouvoir embaucher à Londres de talents venus de toute l'Union européenne. D'après un récent sondage, 51% des entreprises de technologie installées en Grande-Bretagne redoutent des difficultés pour attirer et retenir les meilleurs profils. 70% d'entre elles réclament un discours clair sur le futur statut des travailleurs communautaires au Royaume-Uni. Pedro Oliveira dirige une agence de recrutement spécialisée dans ce secteur. Il a constaté un changement d'attitude chez les candidats issus de l'Union qui postulaient outre-Manche. En fait, les gens ont interrompu leur processus de candidature. Il y en a qui ont passé 2 ou 3 entretiens, qui allaient être probablement embauchés, et qui ont renoncé en disant « ça ne m'intéresse plus de venir au Royaume-Uni à cause de toute cette instabilité politique. Il y a d'autres pays qui sont plus stables et je veux partir dans l'un d'entre eux. C'est aussi simple que ça. » Gérard Grec dirige Texity UK, une agence soutenue par le gouvernement qui vient en aide au secteur des technologies. Il est confiant en l'avenir. L'économie numérique elle-même représente aujourd'hui plus de 10% du PIB national. Aux États-Unis, c'est 8% et la moyenne dans l'Union européenne est d'environ 5,5%. Mais le Brexit ne risque-t-il pas d'enrayer cette dynamique, notamment en changeant le cadre réglementaire ? Je ne vois pas pourquoi nous devrions anticiper un ralentissement, étant donné qu'on a montré la voie en termes de stratégie pour développer ce secteur et que nous avons un immense vivier en matière d'expertise. Les conditions que l'on a ici pour démarrer et développer une activité dans le numérique n'ont pas d'équivalent ailleurs en Europe. Sauf incident majeur, je ne vois pas ce qui pourrait stopper notre trajectoire de croissance. Les entreprises britanniques ont attiré 1,3 milliard de dollars de capital risque sur les 6 premiers mois de l'année, autant que sur la même période en 2015. Et l'investissement dans le secteur de la technologie en Grande-Bretagne reste élevé, avec plus de 40 accords signés dans le mois qui a suivi le vote en faveur du Brexit. Mais ces bons chiffres ne doivent pas cacher une réalité moins idyllique. Beaucoup de choses ont changé depuis le référendum, mais on ne peut pas encore en mesurer toutes les conséquences, d'après cet investisseur en capital risque. Je suis surpris quand le gouvernement et d'autres spécialistes affirment qu'il n'y aura pas d'impact à long terme. Il y a des sociétés de capital risque qui ont du mal à lever des fonds, j'en connais 5, qui devaient se lancer en juillet et en août, et une seule en a été capable. Et du côté des entreprises qui font appel aux sociétés de capital risque, le montant des capitaux qui leur sont destinés a baissé de près de 50% au troisième trimestre, par rapport à la même période l'an dernier.
D'après les administrateurs de fonds, les startups, plus souples que les grandes entreprises, sont mieux armées pour s'adapter à ce nouveau contexte. Le Brexit rend les choses plus compliquées. On doit être plus flexible, mais on ne croit pas que Londres, c'est fini. On fait partie des rares sociétés qui ont déjà agi en seulement un mois et demi. On a consolidé notre business model pour l'avenir, pendant que d'autres attendent que l'article 50 soit activé pour voir ce qui va se passer. On a un, deux, voire trois ans d'avance et ça va jouer à notre faveur.